Sylvia Townsend-Warner, écrivain, à Alice Grégory, son amie, 23 décembre 1946. Bien chère Alice, en général, quand on commence une lettre de remerciement, c'est avec une comparaison peu gracieuse, en écrivant des choses comme « On ne m'avait encore jamais offert un cache-col de ce rouge » ou « C'est le plus grand cheval que j'ai jamais reçu à Noël ». Mais ta boîte d'allumettes est sans pareil. Et jamais de ma vie, on m'en avait offert une. Des timbres, oui, des punaises de bureau aussi, des pelotes de ficelle, oui, oui, hélas, trop souvent, mais jamais une boîte d'allumettes. Maintenant que c'est chose faite, je me demande pourquoi ce n'était jamais arrivé plus tôt. Ce sont des objets vraiment charmants, soignés et coquets comme une jeune fille. Et quel trésor d'ingéniosité et d'adresse humaine ne passe dans leur fabrication. Car si elles étaient munies d'un couvercle comme les boîtes ordinaires, elles seraient loin de se révéler aussi pratiques. Celle-ci, toutefois, est particulièrement coquette, charmante et ingénieuse, et le tiroir glisse dedans et dehors comme s'il était signé par Chippendale. Mais ce qui fait que j'aime tant ma boîte d'allumettes, c'est qu'elle est vide. PS, il y a encore tant à dire, tout au plaisir de sa forme et de sa texture, j'ai oublié de rendre hommage à l'illustration derrière. Je n'avais jamais vu de si subtile évocation du hérisson, et le volcan de l'arrière-plan est magnifique.